Surfer YouTube, je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver pour un let's play sur Red Dead Redemption sur Xbox 360. Enfin, la version Xbox 360 sur Xbox Series S. Alors pourquoi j'arrête pas d'entendre « Oui, mais le jeu il sort sur Nintendo Switch en 720p, il sort sur PS4 en version remaster en 1080p, nous sur Xbox on a rien. » Je me dis « Mais attendez les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, aucun intérêt que ça sorte sur Xbox. » Red Dead Redemption 2, vous pouvez acheter déjà la version sur le store. Enfin, vous pouvez acheter la version Xbox 360. Elle coûte une trentaine d'euros et vous pouvez l'avoir directement. Ensuite, vous pouvez aussi l'acheter sur les sites comme EnabyteSoft sous forme de code. Il y en a pour... Alors, le prix a augmenté. Maintenant, il est à 15 euros à peu près. Bah, forcément, avec la sortie, il y a tout le monde qui veut le jeu maintenant. Sinon, vous pouvez trouver le CD si vous avez une Xbox Series X. Vous le mettez dans votre Xbox Series X et vous pourrez jouer au jeu. Voilà. Sur PC, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un émulateur, mais tu peux avoir un émulateur Xbox 360 pour y jouer. Donc, tu peux y jouer sur PC. Et dans les options compatibilité, il faut savoir qu'il est compatible auto-HDR. Là, j'ai pas d'écran HDR et j'ai pas de capture HDR, donc forcément, ça passe pas. Et il n'est pas compatible FPS Boost, par contre. Par contre, comme tous les jeux Xbox 360 que tu lances sur Xbox Series S, la résolution du jeu est doublée. C'est-à-dire que de base, le jeu est en 720p. Et là, en fait, le jeu, il est 1440p. Vous allez dire 1440, non, il est en 1440p. C'est-à-dire que la résolution est supérieure à la future version PS4 qui va sortir le 30 août. Voilà. En plus, on est quoi? On est le 9 août. Et vous pouvez d'ores et déjà y jouer. Vous imaginez? Le 9 août, là, vous débarquez, vous y jouez déjà. Voilà. Je crois qu'en plus, tout est compris dans la version. Il y a le cauchemar d'outre-tombe. Tout est vraiment compris. Où suis-je? Je crois que j'ai pas mon cheval là où je suis en fait. Bon, je vais le laisser charger. J'avais préféré choisir ma sauvegarde à charger. Que j'ai une sauvegarde récente et bon, c'est pas... Ah! Bah parfait! Ah bah parfait, je sors de chez moi, ok. Nickel. Bon, alors. Ici, c'est ma petite ville, je sais même plus comment elle s'appelle. Donc graphiquement, ça ressemble à ça. C'est vraiment pas mal pour un jeu Xbox 360, c'est très très propre. Très très propre. Vraiment, y a pas à dire, c'est... C'est propre, c'est vivant, c'est Rockstar Game, hein, c'est... Pas oublier que GTA V est sorti aussi sur Xbox 360, hein. Hop là. On va aller voir... Bienvenue à Armadillo. Donc on va aller dans une autre ville. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Mr. McFarlane, how are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrified Est-ce qu'on me paye? Bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Comment ça, faudrait pas que je me vois être en train d'être... Et vous auriez pu me conduire avec plaisir, madame, c'est une fierté, oui. Allez, je fouette le cheval. Ça, fouetter les chevaux, ça me connaît. Bon, le jeu, sinon, il est en 30 FPS. Il me semble que le futur remaster, là, je sais pas comment on l'appelait, portage. Il me semble que le futur portage sera lui aussi en 30 FPS. Donc, ça change pas grand chose. Après, très sincèrement, sur un jeu de voir comme ça, 30 FPS, c'est pas ce qui va me faire pleurer. Hein. Et à l'écran, ce que ça donne, comme quoi. Vous voyez, ma caméra est en 60 FPS, beaucoup. Donc moi je bouge en 60 fps et l'image à côté en 30 fps, est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous gêne? Je ne sais pas. Moi je trouve ça... Bon, de toute façon, je sais pas, ce jeu comme Red Dead Redemption, quand je mets en 60 fps, ça enlève le côté cinématique, ça me donne un effet jeu vidéo sous cocaïne là, ça me... Je sais pas, ça me botte pas plus que ça. Attends, pourquoi est-ce que les chevaux ils ralentissent comme ça? Moi je les fouette trop en fait. Faut les fouetter mais à intervalles réguliers. Regardez, il y a du deep of field aussi, c'est-à-dire qu'on voit
Les éléments au fond, la moto elle est incroyable. Ouais, les éléments au fond, moins de détails, mais aussi un petit effet flou qui est actif. Et appliqué. Par contre, on peut voir que il n'y a pas de nuages volumétriques. Un tout petit peu, c'est une montagne au fond là-bas. Franchement, c'est du brouillard sur la montagne. Mais globalement, ça fait effet. Il y a des jolies textures. Allez, waouh! Mais ils se font des bisous, les chevaux. Ah voilà, Armadillo. On peut l'écraser. Faut pas les écraser, les... Arrêtez de hurler, les chevaux, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a écrit ralentir. Moi, je ralentis que dalle. Soit vous sortez du passage. Hop. Dérapage et tout. Putain, y'a un mec qui tire. So this is Armadillo. Manhattan, it is not, but it does okay for us. Armadillo n'est pas Manhattan. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Donc le docteur a sauvé ma vie, faut que je sois aimable avec lui. Genre sauver ma vie, parce qu'il a sauvé ma vie, je dois être aimable. C'est vous le docteur? Ah c'est gratuit. Ah mais gratuit, je prends. C'est très gentil. Ah bah là. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Ben énorme et tout. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Attends. Get yourself shot. I won't be around to save you this time. Moi je rentre là. Yo, mon cheval il est chez moi normalement. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez quitter. Acheter et louer. Ah, je vais récupérer un cheval. C'est très beau l'intérieur. Hein. 50. Pas cher. Oh, pas cher, hein, $50. Hein. Vous avez vu ma partie 2014-2023. On va écraser celui-là. 2014, je crois que je venais d'avoir ma Xbox One. Elle est sortie en 2013, je l'ai acheté un an après sa sortie. Je veux mon cheval. En vrai, je suis même pas sûr que... Oui! Ah, une sacrée sensation de liberté. Hein. Saleté. Il y a des barres d'endurance. Si je le force trop, il s'énerve. Je sais pas où on est. Pourquoi je peux pas passer?
Come on, move. Je voulais voler chez les gens, mais il y a leur porte. Ah voilà. Tu me vois rentrer dans le mode. Pas bien. Putain, mais j'essaie de passer par les fenêtres. En fait, c'est là où je vois que c'est plus vieux parce que en fait, le moteur te permet moins de choses quand même que Red Dead Redemption 2, quoi. Je vais dormir là. Mais globalement, le jeu est quand même beaucoup plus rigide. Après, si tu souhaites juste suivre l'histoire du jeu, ben. Très joli. Voilà. Bon, les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Du coup, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci énormément de m'avoir suivi. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup joué à ce jeu. J'ai acheté et à l'époque, je me suis dit, ah non, mais GTA, c'est mieux. Et je crois que le premier s'appelait Red Dead Revolver. Enfin, il y avait un Red Dead Revolver sur Xbox tout court, mais je sais plus si c'est un rapport avec la série. Ouais. Il y en a volé dans ce truc. Allez, mes frérots, au cheval, j'essaie de voler des trucs. Ah, par contre, on peut pas. Ah, bon, et je vous dis à bientôt sur otakugame.fr du coup. Ciao, bye bye.